Bon Merlin, je peux t'appeler Merluche. On va pas se mentir, t'es l'un des acteurs les plus bankable du moment. T'as joué dans les plus gros blockbusters américains, je crois pas avoir besoin de les rappeler. Jurassic 4, Chavatar, SOS Souris, mes couilles. Bref, t'as une gueule. Et moi j'ai envie de te voir sortir de ta zone de confort. Je veux que tu te mettes en danger et ton public veut ça. Tu vois ça? C'est ta carrière. Je vais la faire exploser. Le projet, c'est celui-ci. Char mission. 1000 pages de buzz. Grosso merdo, on prévoit 3 fois les entrées d'Avengers Endgame. Et j'imagine que tu meurs d'envie que je te pitche le scénario. En gros, si ce film devait avoir une bande-annonce, ça commencerait comme ça. Écoute Merlin, je sais que t'as décroché. T'as refait ta vie, ta carrière est derrière toi. Mais j'ai besoin de toi pour une nouvelle mission. Il est de retour, ton pire ennemi, Freddy Fred. Oui Merlin, le Freddy Fred. Une histoire de vengeance. Ai-je vraiment besoin de le rappeler? Celui qui a lâchement assassiné toute ta famille durant l'été 84, notamment ton grand-oncle Sergi. Alors, sac à puce, tu continues à te lécher le cul ou t'es prêt à reprendre du service? Alors, mission acceptée? Et où est-ce que tu m'emmènes, vieille branche? Oh oh, mais je crois que c'est la fameuse Merlin mobile. Tu l'avais gardée pendant toutes ces années. Je crois qu'elle a bien besoin d'un petit contrôle technique. Le retour d'une légende. Un équipement à la pointe de la technologie. Cette fois, Merlin, on peut dire que t'as été gâté. Collier GPS, pare-balles, modificateur de miaulement avec caméra intégrée, et évidemment, anti-puce. La célèbre souris grenade. Ça fait toujours un petit effet. Et voici notre toute dernière trouvaille. Merci Joël. La chatière de seconde. Tu la poses sur n'importe quelle surface et... hop, chatière. Et enfin, je te présente la toute nouvelle Merlin mobile. Lance-missiles latéraux, siège éjectable, pneus à griffes pour monter aux arbres, blindage étanche en fibre de carbone, projecteur pour le Merlin signal, radar anti-souris, et comme tu peux l'entendre, elle est bien sûr équipée du tout nouveau moteur Ronron V6. Bon, par contre, pour la conduire, il faut être titulaire du permis B. Je déconne. I'm just kidding, merde. Par les producteurs d'Ocean Eleven. C'est faux. Je pense pas qu'il bluffe. Il a une canne flèche royale, c'est sûr. Ok mon pote, c'est le moment d'utiliser ta vision nocturne de chat. Je compte au courant. Qu'est-ce qui se passe? Agile. Intrépide. Joueur. Rapide. Déterminé. We'll be right back.
Chat en mission. Bientôt au cinéma. Alors, t'en penses quoi? Bon, écoute, le contrat est ici. T'as juste à signer en bas que t'as pas patte, et moi, je m'occupe du reste. Bon. Dommage. The Rock le fera à ta place. Quand je pense qu'on parlait d'un cachet de plus de 200 000 croquettes de thon...